while you and me repeat, this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Hey, what's up guys? Team Zo for a new video courtesy Black of 3, and today I speak to the Infinite Warfare because it's a bad game. Si tu comprends l'anglais, je t'ai spoil. Yo tout le monde, les gars, c'est Team Zo, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Donc avant de passer au gameplay et au sujet, si tu vas voir cette vidéo à la code FR, code QG et la Only Geek TV, toi-même tu sais mon gars fuck, j'espère que tu vas me plaudre aussi. Bref les gars, bref, je suis grave content parce que j'ai trouvé un sujet de fou ma gueule. Toi-même tu sais. Bref mon gars, pour tout ce qui est gameplay, ça va être un gameplay express parce que voilà, ça va être un commentaire express. Bref, on s'en va les couilles. Allez, c'est parti, au sujet. Donc voilà, j'ai vu le trailer, la campagne, une mission de la campagne de Infinite Warfare qui est tellement nulle. Tu prends un vaisseau, bref, on s'en fout, je vais pas vous détailler, le lien dans la description, t'as juste à regarder. Donc j'ai vu les gars, il y a deux nouvelles armes. En fait, c'est deux nouvelles armes remasterisées, quoi. C'est les armes qui étaient dans les Assassin's Creed Odyssey. Il y a la 8 villes, les gars, qui vraiment la même tête, la même gueule, sauf que le rechargement n'est pas pareil. La 8 villes, les gars, et une M4A1, les gars. Je sais pas comment elle va s'appeler, mais en tout cas, oh là là, je suis tellement content. Alors, la 8 villes, je suis déçu d'elle. Car elle lance des projectiles. Après, voilà, vous voyez les armes de Call of Duty. Les armes de la campagne sont obligées. Donc, sûrement aussi, je sais pas si vous partagez le même opinion que moi, dans le multiplayer. Donc, voilà, c'est la même chose. Elle envoie des projectiles bleus. À part, je sais pas. Quand il va tirer, je vous mettrai un screen. Quand il va tirer, bah voilà, il y aura des projectiles bleus qui vont sortir. Franchement, je suis déçu. Après, je sais pas si c'est que dans la campagne ça fait ça. Mais bon. Deuxième arme, c'est la M4A1. Franchement, je suis vraiment content qu'elle soit dedans après avoir le gameplay multiplayer. Parce que si je vois qu'il est nul, heureusement qu'il y a code 4 en rechange, tu vois. Mais si je vois que le multiplayer de Call of Duty Infinite Warfare est nul, à quoi ça sert d'acheter le jeu et à quoi ça sert de tester ses armes? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà, les gars, objectif avant la fin de l'année, 1000 abonnés. Donc, les gars, sur ce, c'était Simzo. N'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner à ma chaîne et à partager la vidéo. Sur ce, les gars, c'était Simzo. Portez-vous bien. Portez vos couilles. Peace.